Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je m'appelle Nabil, je suis coach sportif et je suis formateur aussi avec le comité régional EPGB Hauts-de-France. Aujourd'hui, je vous propose un cours à peu près d'une demi-heure d'énergie. Ce cours est basé sur la méthode de HIIT, le H-I-I-T, High Intensity Interval Training. Donc beaucoup de travail de puissance musculaire. On a la force, mais on aura la vitesse en même temps. Le cours est composé avec une période d'échauffement et après, on a à peu près 8 blocs à réaliser ensemble. Ce que je vous conseille tout au long de ce cours, c'est vraiment être vigilant par rapport à la sécurité de vos articulations. Faites attention à vos genoux. Faites très attention à l'alignement parce qu'avec la fatigue, parfois, on sort un petit peu de la posture sécuritaire. Pour le cours, nous aurons besoin d'un matériel, un petit matériel. Alors, notre poids de corps, ça c'est sûr et certain, on va l'utiliser souvent. On aura besoin de 2 bouteilles d'eau, mais si vous avez des haltères chez vous, n'hésitez pas à les utiliser. Et avec ça, on aura certainement besoin de l'eau pour s'hydrater et une serviette pour s'essuyer. Je ne vais pas trop tarder, on va y aller directement à l'échauffement. Je vous souhaite un très bon cours et soyez encore vigilants par rapport à l'alignement de vos articulations. Je vous souhaite un bon courage et à tout de suite. Je mets la musique et on y va ensemble. Allez, c'est parti. Placez-vous bien, s'il vous plaît. Les talons un peu plus larges que les épaules. Et squat. On descend et on remonte. Bas et haut. Bas et haut. Poussez les hanches en arrière. Les genoux ne dépassent pas les orteils. Et serrez la sangle abdominale. On est là. Allez, pivotez avec le buste. Allongez-vous. C'est le début. On va commencer à échauffer le bas du corps. En chant, regardez, avec moi. Descends et pivote. Ramenez le genou au niveau des hanches, au niveau de l'ombril. Et quand on pivote, on contracte les abdominaux à fond. Allez, c'est encore la même chose. Allez, serrez les abdos. On va bien les échauffer. Faites attention au squat. En chant, squat, haut. Squat et presse. Montez sur les orteils. Posez les hanches en arrière. Et gardez le buste bien droit. Bien comme tout. Bas et haut. Inspirez, soufflez. Super. Allez. Inspire. Super. Regarde. Bas, genou. Bas, genou. Super. On va y aller vers les fentes. Tout doucement. 8 cœurs. Un grand pas vers l'arrière. Genou en dessous de la hanche. Le genou de la jambe devant. Et il vient à l'extérieur. Poussez-le. Super. Continue. Droite et gauche. Allez. Les derniers moments. Passage au sol. Haut du corps, burpee. 1, 2, posez, remontez, sautez si vous voulez. 1, 2, 3, restez en face de moi et on y va ensemble. 1, coude, je tends mes bras, je remonte et je saute. Je suis de profil pour vous montrer. Super. On peut le faire avec les genoux au sol. Pause, je tends, je ramène et je remonte. Une deuxième. Bas, restez en bas. Et pompe, big up. Une, bien à vite. Ah. Sur les pompes, ramenez la poitrine au niveau du coude. Pas trop bas. Tendu les jambes et on est parti. La position du coureur ou mountain climber. Les épaules sur les appuis de main, le dos long et droit,
On ramène les genoux vers l'intérieur. Allez, presque fini l'échauffement. Tenez bon. Yes. On est prêt. On est prêt. Alors j'espère que vous êtes bien échauffés. On va passer maintenant sur le premier bloc de travail. D'accord ? 90 secondes. On a deux mouvements. Le premier se multiplie, le deuxième se réduit. On va alterner les deux mouvements. C'est-à-dire le premier, c'est les fentes. Droite et gauche, c'est une répétition. On commence par 10, 8, 6, 4, 2. C'est descendant. Le deuxième mouvement, c'est les pompes. D'accord ? Et là, c'est ascendant. On commence par 2, 4, 6, 8 et 10. Alternez les deux. Faisons 10 fentes, 2 pompes. 8 fentes, 4 pompes. 6 fentes, 6 pompes. Et ainsi de suite. Se reposer quelques 15 secondes à la fin. Et on recommence encore pendant 45 secondes. Je mets la musique et on passera tout de suite en action. C'est parti. Donc on commence par les 10 fentes et on fait 2 pentes. On descend le premier, on augmente le deuxième. Faites attention à vos articulations sur les pentes. Genoux bien en dessous de la hanche. Poitrine haute. Sur les pentes, que ce soit genou sol ou orteil. Prêt ? C'est parti. On y va. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Je descends. Pompe. Deux fois. Je me remets. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 4 pompes. Que ce soit genou au sol ou sur les orteils. Je me remets. Et ainsi de suite. Allez. 4, 3, un peu solide, pliez vos genoux et on descend, on a 6 pompes. Force et vitesse, 4 pompes. 1, et on a ici. On finit par quoi ? 2 pompes. Et on a 10 pompes. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Avant de choisir de terminer, de se reposer, sinon continuer. Super. On se repose un petit peu et on refait la même chose. Par contre, là, on va alterner à chaque fois les deux mouvements. On va faire les 10 pentes, 8 pentes. Préparez-vous au décompte musical, on lance ensemble. On commence les 10 pentes, 8 pentes, 6 pentes et ainsi de suite. C'est parti pour les 10 pentes. 1, 2, 3, 4, 5, on a 10, 7, 8, buste droit, dixième, 8 pompes, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Qu'est-ce qu'on a fait ? 6 pompes, deuxième, 3, 4, 5, 6, on a 4 pompes, que ce soit sur les genoux ou sur les orteils. Serrez bien les abdos. On est parti pour les 2 pompes. Qu'est-ce qu'on a fait ? Ah ! Yeah ! Bravo ! Super ! Impeccable ! C'est bon. Ça, c'est le premier bloc. On a en fait, effectivement, on continue en fait l'intensité à augmenter un petit peu tout doucement. Deuxième bloc à faire à enchaîner, hydrativement entre deux, c'est l'échelle de répétition. On a 150 répétitions. 5 mouvements à faire. On commence par le plus dur
Et on finit par le plus facile. Alors, c'est quoi les 5 mouvements? On a le squat press. Le squat press. D'accord? On aura besoin de cette chanson pour cette chanson, les bouteilles d'eau. Donc on est là, le premier mouvement, on le répète 10 fois. Le deuxième mouvement, on le répète 20 fois. Le troisième mouvement, on le répète 30 fois. Le quatrième mouvement, on le répète 40 fois. Et le cinquième mouvement, on le répète 50 fois. Je vous donnerai le reste des mouvements. Le squat press, à vous de monter sur les orteils ou rester talons au sol. 10 fois, les talons bien au sol, remontez. Le deuxième mouvement, c'est 20 pulses en bas. Je contracte mes abdos pour ne pas creuser le bas du dos et je fais 20 pulses en bas. Je vous donnerai le reste. Allez, on se prépare pour la troisième chanson. Préparez-vous. C'est parti ensemble. Prenez votre bouteille d'eau. Placez-vous bien. On a les bouteilles au niveau de l'épaule. Les abdominaux serrés, contractés. Faites attention quand vous faites le squat. S'il vous plaît, genoux bien ouverts à l'extérieur au prolongement de vos orteils. Poussez les hanches en arrière et quand vous remontez, vous contractez les abdos pour ne pas creuser le bas du dos. Au décompte de la musique, on est parti. 150 pendant 2 minutes. C'est parti. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Qu'est-ce qu'il y a après le deuxième mouvement? 20 pulses. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Allez, puissance et force. 5, 4, 3. Le troisième mouvement qui arrive. On est là. Sautez à droite, à gauche 30 fois. Poussez les hanches en arrière. Contractez vos abdos. Pour les adapter, on peut faire le step touch. D'accord? Si vous ne voulez pas sauter. Continue. Quatrième mouvement. 40 fentes. 4, 5, 6, 7, 8. Allez, 20 encore. On est à la moitié. Il me reste 5, 4, le dernier mouvement, 50 répétitions. On est en appui. 50 fois. 1, 2, 3, 4. Bravo, impeccable, hydratez-vous. Allez, c'est parti pour la suivante. Alors, on a triple échelle. On grimpe l'échelle pendant 2 minutes. À vous de fixer le nombre objectif. Jusqu'à où vous voulez grimper. 3 mouvements. Les 3 mouvements que je vais vous proposer constituent un round. Répétez autant de rounds que vous pouvez pendant ces 2 minutes. Il ne faut pas s'arrêter. Alors, qu'est-ce qu'on a besoin? On a besoin des bouteilles d'eau. Alors, si je répète le premier mouvement une fois, je répète le deuxième mouvement 2 fois, je répète le troisième mouvement une fois. Si je fais 2 fois le premier mouvement, je fais 2 fois le deuxième mouvement, je fais 3 fois le troisième mouvement, et ainsi de suite, jusqu'à augmenter l'échelle. Le premier mouvement que je vous propose, c'est le squat jump. Les bouteilles devant, je touche et je saute. Le deuxième mouvement, je prends mes bouteilles, c'est le mouvement d'oiseau. Penchez-vous vers l'avant, ouvrez en fait les bras sur le côté, et opposé. Le troisième mouvement, je le pose
je fais en fait mes fentes. Deux fois. D'accord? C'est un cycle. Droite et gauche. Et on refait ça en fait des débuts jusqu'à la fin. Je mets la musique et on est parti. Allez mes amis, c'est parti. On est là. Premier mouvement, c'est le squat jam. Le deuxième mouvement, c'est en fait le mouvement d'oiseau. Le troisième, c'est fente, droite et gauche, c'est une fois. 2 pour 2, 3 pour 3, 4 pour 4, et ainsi de suite. Allez, prêt? On y compte? Go! Un saut, une pente, un oiseau, et un cycle. Deux sauts. Yes. Deux mouvements d'oiseau. Le dos droit. Deux cycles de pente. Trois sauts. Trois élévations. Une, deux, trois. Trois cycles devant. Trois, deux, une. Et on refait. Quatre sauts. Quatre élévations. Le dos droit. Les quatre ciseaux. Un, deux, trois, quatre. On est parti pour la cinquième. Cinq, quatre, trois, deux, une. Les quatre, cinq, quatre. Contractez le haut du dos. Les cinq ventes. Les cinq cycles. 4, 3, 2, 1, 6 sauts, 6, 5, 4, 3, genoux bien ouverts, on est parti, 6, 5, 4, 3, 2, 1, laissez pendre, allez. Abdos solides. 7, 6, 5, 4, 3, 2. On essaie de le finir. 6 portes, 7. Super. Repose-toi. C'est pas encore fini. Mes amis, j'ai réussi à faire 6 complets. On partira de ce que vous avez réussi à faire. Si vous avez réussi à faire 4, recommencez par le 4 et descendez. Si vous avez réussi à faire 5, commencez par 5 répétitions et descendez jusqu'à 1. J'ai réussi à faire 6, je commence par 6. On est parti, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Avec les 6 oiseaux, le dos droit. Mettons de la vitesse. On essaye de battre notre propre record. 5, 4, 3, 2, 1. Et on fait 5. Quatre fois. Challengez-vous. 4, 3, 2, 1. Les quatre pentes. On est à combien? 3. 3. 3 pentes. Super. Continuez. Continuez.
jusqu'à la fin de la musique. Ceux qui ont réussi, bravo. Vous avez réussi à battre votre record. Vous étiez plus rapide tout à l'heure. Respirez bien. Et buvez entre deux. Bravo. Bravo. C'est la chanson numéro 5. Effectivement. Unichel, crescendo. 4 sauts en longueur, 4 chenilles, 5 jumping jack. On n'a pas besoin des bouteilles d'eau, on le met bien en sécurité. Donc on a dit, on a saut demi-tour, 4 fois. De là, on saute et on fait demi-tour. On saute, demi-tour. On est d'accord? Chenille, je suis là. Je fais m'allonger au sol, abdos solides. Je reviens, je saute. Je refais la deuxième, je contracte mes abdos, je m'allonge. Je reviens, je saute. 4 fois. Et à ça, on ajoute 5 jumping jack. 4, 4, 5. 4, 4, 10. 4, 4, 15. On multiplie le mouvement le plus dur. Et ainsi de suite, allez jusqu'où vous pouvez. On est d'accord? Je mets la musique en solo. C'est parti pour la cinquième chanson. Cinquième bloc. 4, 4, 5. Le premier mouvement, c'est 4 sauts sans élan. Demi-tour. 4 chenilles. Préparez-vous. C'est parti. Allez, mes amis. On est à presque 2 minutes 30. Pendant ces 2 minutes 30, on ne s'arrête pas. On se challenge ensemble. Essayez de viser vos 20 répétitions sur le dernier, les jumping jack. Je profite, que ce soit jumping jack ou ceux qui souhaitent les hanches, les dégager de jambes sur le côté. L'essentiel, c'est les abdos et poitrine haute. 4-4. On est parti. 4, 3, 2, 1. Et on la chenille, 4 fois sauter. Deuxième, et je saute. Troisième, je saute. Quatrième, le troisième exercice c'est quoi? C'est les jumping jacks 5 fois. 3, 4, 5. On recommence. Saut demi-tour. Saut demi-tour. Troisième fois. Quatrième fois. La chenille. On avance. Et on saute. J'aime pas sauter, je monte sur les orteils. Ou pas, on reste sur les talons. Quatrième. Jumping jack, 10 fois, 10, 9, 8, 7, 6. Ou sinon, droite et gauche, comme vous voulez. Et on refait du début. 4 sauts demi-tour. Troisième. Quatrième. La chenille. Avec le saut. Deuxième. Sauter. Troisième. Sauter. Quatrième. 15 fois. Attention à votre gainage. Les jumping jack, 20 fois. 3, 2, 1. Bravo. Super. Magnifique. On sent que les fréquences cardiaques montent. Allez. Hydratez-vous comme d'habitude. Prenez un peu d'air et on enchaîne. Effectivement, on n'a pas trop de temps de récup entre deux. On essaiera d'enchaîner vraiment l'un sur l'autre. Alors, on est parti.
Souvenez-vous, les 150 répétitions sont de retour, mais à l'envers. On commence par les 50 coureurs. Yes. 50 fois. Les pentes avec les bouteilles d'eau dans les mains. Le squat sauté sur le côté 30 fois. Les 20 pulls en bas. Et on finira avec le squat press avec les bouteilles. C'est parti. Go. Jouez sur l'amplitude. Baissez les genoux vers le bas. Contractez bien les abdos. Soyez rapide dans les impulsions. Yes. Les 30. 1, 2, 30 fois. Souvenez-vous, j'ai un pas sauté. Step touch. Yes. Step touch. Et restez bas pour charger vos cuisses. Et il nous reste 10 fois. Les impulses. Les pecs. Squat press. 10 fois. Vous en avez encore quelques secondes. Bravo. Nickel. Comme je vous ai dit tout à l'heure, on va essayer de laisser pas trop de pause. On va y enchaîner. On va reprendre le premier exercice. On va ajouter 2 minutes à notre chronomètre. Vous rappelez, ascendant, descendant. Les pompes et les fentes. 2, 4, 6, 8, 10. Le deuxième mouvement, on commence par 10, 8, 6, 4, 2. On commence par les pompes 2 et 10 fentes. Je mets la musique et on enchaîne tout de suite. Restez avec moi. Allez, le temps juste pour essouffler un petit peu. Préparez-vous. Donc on commence par quoi? 2 pompes. Genoux au sol ou sur les orteils. Abdominaux solides. Soyez sûr et certain que ça, ça creuse pas. Allez, c'est parti mes amis. C'est le seul moment où on est tranquille. Challengez-vous. Genoux au sol, ouvrez. 2 pompes. 10 fois. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et on est parti. 4, 3, 2, 1. Et on a quoi? 8 fentes. 3, 4, 5. Un grand pas vers l'arrière. Et on y a fait quoi? 6, 6. On a 6 ventes. 5. 4. Un grand pas vers l'arrière, genou en dessous de la hanche. C'est parti. We go. Oui, pente. 4 pentes. On finit avec les 10 pentes.
Les deux. Voilà. À vous de choisir de continuer ou se reposer pour la suite. Bébé entre deux. N'arrête pas. Continue. Continue. Juste comme des cordes de la musique. Moi j'étais trop rapide. Allez les amis, courage. N'arrêtez pas. Bravo. La même chose, exactement pareil pendant 45 secondes. 45 secondes. On va alterner à chaque fois les mouvements. D'accord? On commence par les deux pentes, 4 pentes et ainsi de suite. Les deux pentes. Allez les amis. Genou au sol, orteil, 45 secondes. C'est parti. 8, 4, 3, 4, 6, 8 points. Buvez s'il vous plaît. Buvez un petit peu. Hydratez-vous. Bravo. Alors, je vous propose un challenge burpee. Un challenge burpee de 4 niveaux. Chaque niveau prend 20 secondes. À chaque son de la cloche, on complexifie. Travaillez au niveau que vous challengez le plus. Mais attention à votre sécurité. Jusqu'à maintenant, on a eu la médaille d'argent. Ce qu'on cherche maintenant, c'est la médaille d'or. Donc soyez dur avec vous-même, challengez-vous et on essaye de finir. Donc on a exactement une minute à se challenger avec 4 niveaux de burpee. Alors, sur le burpee, avant de mettre la musique, s'il vous plaît, soyez attentif à vos genoux. Là, 4 niveaux. Je ouvre, je lance mes jambes, je ramène les jambes ouvertes, genoux extérieurs. Je saute pour revenir. De profil, le 1, le 2, le 3 et je ramène. Ça, c'est le premier niveau que je vais en fait vous proposer. Je mets la musique. On est parti ensemble. Vous aurez besoin de votre serviette. On va la plier. Et on va la mettre sur le côté. Vous allez comprendre pourquoi tout à l'heure. Faites attention qu'elle n'enroule pas. Ok? Les burpees. Allez les amis. Les 4 étapes. 1 minute. Au décompte. Rigueur. Pendant 20 secondes. Un peu solide. À la cloche, le deuxième niveau. Regardez. Coude au sol. Je tends mes bras. Je saute. Coude au sol. Je tends mes bras et je saute. Je peux poser mes genoux au sol. Et je saute. Je pose mes genoux au sol. Troisième niveau. On est là. Sautez de l'autre côté. Allez. Mettez de la vitesse. C'est le troisième niveau. Quatrième.
Yeah. Bravo. On va finir. On a travaillé le haut, le bas du corps. Il nous reste maintenant à ensoleiller le centre de notre corps. On va travailler la taille des abdominaux pendant 2 minutes. On a 3 exercices à les faire sans stop. À vous de voir à la fin de répéter ces 2 minutes-là une fois, 2 fois ou 3 fois comme vous voulez. Remettez en fait la vidéo et faites la même chose si vous le souhaitez. Tapis au sol. Premier exercice, 20 secondes. Le deuxième, 20 secondes. Le troisième, 20 secondes. Regardez-moi le premier exercice. On est en planche. Gainage facial. Coude au sol. Je sors mon bras gauche en diagonale. Ma jambe droite sort au même temps. On revient. Je fais la même chose de l'autre côté. Je sors et je reviens. Quand je sors mes segments, j'essaye de stabiliser mon bassin au maximum pour ne pas qu'il bouge ni à droite ni à gauche. C'est là où les abdominaux ils vont travailler. Donc résistez pour que le bassin ne bouge pas. Stabilisez-le en contractant vos abdominaux. La musique, 2 minutes, suivez-moi. C'est parti. Allez mes amis, c'est le dernier challenge ensemble. On essaye de les faire jusqu'au bout. Pendant 2 minutes sans stop. 3 exercices à enchaîner. Placez-vous au sol. Coude en dessous des épaules. Les abdos solides. Vous avez droit de travailler avec les genoux au sol. Et faites la même chose. Je sors. Je reviens genoux au sol. Choisissez votre niveau. 20 secondes. Allongez la tête au prolongement de votre corps. Serrez les omoplates. Bientôt le deuxième exercice. On est sur le côté. Le bras. Allez, travail des obliques. Que ce soit les deux jambes tendues ou genoux au sol. Et je fais la même chose. Le bras à la verticale. Et la tête bien au prolongement de votre colonne. Absorbez votre nombril. Troisième, prenez la gainage. Passage et transition rapide. Soulevez vos omoplates. Ne mettez pas trop de tension dans les cuisses. Mettez dans les abdos. À plat. Allez, 20 secondes. On enchaîne sur le premier. C'est parti. Sans stop. On est à la moitié. Mettez un peu de vitesse. Stabilisez votre bassin. Levez les obliques de l'autre côté. On est là. Peut-être à réaliser les 30 minutes de suite
C'est pas grave. On essaiera de faire 5 ou 6 chansons. Et à chaque fois, vous ajoutez une. Jusqu'à arriver à réaliser la totalité du cours. Et quand vous avez réussi à réaliser la totalité d'une demi-heure, le challenge que vous pouvez faire, c'est vraiment effacer tous les, en fait, les petites pauses entre deux et continuer sans stop. Hydratez-vous et soyez solide. En tout cas, merci à vous. Merci pour notre fédération, la FFPGB, qui nous a permis vraiment d'être près de chez vous. Donc, merci pour notre fédé. Soyez fidèles. Je vous souhaite la bonne santé. Couvrez-vous bien et je vous dis à très bientôt. Merci. Au revoir.